sometimes. Herbie, yo les potes, c'est Zay qui on se retrouve pour le nouveau pass de combat de la saison 6 avec un petit salut que j'ai fait au tout début de la vidéo, je sais pas si vous avez vu. Enfin bref, c'était bien marrant puisqu'il y a de nouvelles émotes et on va voir tout ça dans cette vidéo, émoticônes, danse et skin et forcément les nouveaux compagnons aussi que vous ne connaissez peut-être pas encore. Je vais vous faire découvrir un peu tous les skins du pass de combat de la saison 6, les potos. Donc ici, on a les skins de base, les premiers skins que j'ai un peu bâclés, parce que j'ai pas regardé au tout début, j'ai regardé juste à la fin de la vidéo, donc il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo pour les voir. Malheureusement, j'ai même pas fait exprès, les potos, c'est même pas pour que vous restiez. C'est juste parce que j'ai complètement oublié, donc vous tracassez pas, elles sont là, enfin les skins sont là, je vous les montrerai en détail. D'ailleurs il y a plusieurs transformations sur la cowboy que vous avez vu. Donc restez bien sur cette vidéo et concentrés. Donc il y a les nouveaux compagnons, je fais la petite présentation, ils ressemblent à Scooby-Doo, je sais pas si vous voyez qui c'est Scooby-Doo. La cape magnifique du chaperon rouge, il y avait la pioche, je l'ai un peu bâclé aussi. Voilà, au début j'étais un peu stressé, j'avais juste envie de jouer, donc les potos, j'ai un peu bâclé les skins, etc. Donc là on va prendre bien le temps de regarder le planeur assez joli, ça va, pas dégueulasse. Ici le skin, bof. Les potos, franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, il y a juste à la main, putain, il est juste sur à la main, désolé pour le petit mot grossier, mais voilà. Le skin est basique, très basique, et puis voilà, la façon dont il est disposé, etc., fait que, bah voilà, il est dans le pass de combat de la saison 6. La danse, je cours, elle est pas trop mal. Il y a de belles choses, comme je vous dis, mais il y a des choses un peu plus bof, quoi. Franchement, il y a des choses que je suis pas très content du pass de combat de saison 6. Par exemple, ça, les traînées. Les traînées, il y en a qu'une que j'aime bien. Vous allez la voir un peu plus tard. Bon, la cape, pas dégueulasse, mais bon, elle est petite. Très discrète. Ici le planeur, il est juste magnifique, donc ça c'est franchement, j'aime beaucoup. Donc il y a des choses belles, hein. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous appréciez le plus, quel planeur vous appréciez le plus, quel skin vous appréciez le plus, enfin bref, dites-moi tout ce que vous appréciez dans ce pass de combat. Donc ici il y a l'émoticône qui est assez marrante, ça urge, voilà, il a juste envie d'aller aux toilettes. Il y a le chaperon rouge, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait sa cape au tout début du pass de combat. Et donc au palier 47, il y aura le skin qui va avec. Franchement, pas dégueu. Voilà. Alors, tous les émotes et tout ça, je les bâcle vite fait. Voilà, le CD, je sais pas à quoi il servira. J'ai regardé à deux fois d'ailleurs, comme vous le voyez dans la vidéo. Je sais pas, franchement j'hésite. Et alors les ailes qui vont arriver, attendez les gars, voilà, elles sont juste magnifiques. Ailes du j'ai pas vu. Bon bref, elles sont juste magnifiques les potos. Elles sont franchement incroyables. Et j'avais acheté des ailes de démon, comme vous le voyez quand je mets les émoticônes par exemple. Vous allez le voir de toute façon. Et franchement elles sont encore plus belles. Voilà mes ailes, regardez bien sur la danse ondulante. Elle est très belle aussi cette danse. Il y a vraiment de belles choses. Mais par contre les danses je les trouve très basiques. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Mais franchement je les trouve très basiques. Vous allez voir celle du palier 95, elle est bof bof quoi les potos. Et ce skin là, par contre je déteste ce skin là. Il est trop moche. Franchement... Enfin, il y a beaucoup de choses, je suis en train à chaque fois, je me coupe dans mes propres paroles, mais il y a vraiment beaucoup de choses à vous faire découvrir, donc voilà, je vous laisse prendre le temps, n'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite ou des choses comme ça, parce que voilà, il y a beaucoup de choses dans ce pass de combat, moins d'émoticônes, d'ailleurs il y a 7 skins ce pass de combat, si, je pense qu'il y en avait 6 dans le pass de combat précédent, quoique, enfin bref, n'hésitez pas à me dire si je me trompe aussi, hein. Voilà, la traînée est très moche aussi. Il y a vraiment une traînée qui est belle, c'est celle avec les chauves-souris qu'on vient de passer il y a quelques secondes. Celui-là, ce skin-là, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais il est dégueulasse, franchement. La cape, magnifique, hein, il n'y a rien à dire. Ok, je suis posé avec la cape vol de la nuit, la voleur de la nuit, là où je sais pas quoi, magnifique. Et encore un Scooby-Doo. Et donc des V-Bucks en masse, ça va faire plaisir, ça va remplir les poches. Et donc la danse du palier 95, je vous laisse avec un peu de musique. Voilà, la danse du palier 95, voilà, bof bof, le dernier skin, voilà, ça c'est vraiment la base, il est magnifique, c'est ce qu'il vous faut obtenir.
Je pense que je vais bien farmer pour l'avoir, parce que regardez un peu toutes les façons qu'on a de le transformer. Il est magnifique, il y a plusieurs couleurs, c'est franchement pas mal travaillé. Et donc les premiers skins, donc on va se laisser là dessus avec les premiers skins, donc que j'avais complètement oublié, que j'avais passé en début de vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo. Si vous étiez à l'école, ben voilà, ça a permis de voir un peu tout ce qui se passait sur Fortnite. Sur ce, je vous laisse, ciao tout le monde.